اللقاء الذي يجمعنا فيه المبدع الراحل محمد شبحة، إلا أن نفتح أبصارنا جيدا. المرحوم الفنان المتألق السي محمد شبعة طبعا هو من الأسماء الأساسية ومن الرواد الأساسيين في الفن التشكيلي المغربي المعاصر، ولا يمكن الحديث عن تاريخ الفن التشكيلي المغربي دون الوقوف عند تجربة محمد شبعة، ليس باعتباره فنانا فقط ولكن أيضا باعتباره مجادل حقيقي له الكفايات الحديث والتنظير والمجادلة بصفة عامة. وأعتقد أن أي باحث أو أي مؤرخ أراد أن يشتغل حول الفن المغربي المعاصر لابد وأن يقف عند بحوث وتنظيرات وآراء السي محمد شبعة. L'art est quelque chose qui émane de l'intérieur, de l'être humain. C'est pas quelque chose qui est uniquement une pratique manuelle. C'est un travail qui exprime, bien comme la pensée, des idées, qui exprime des concepts qui sont en relation avec la culture, qui sont en relation avec l'histoire et qui sont surtout en relation avec les émotions de l'être humain. Et c'est là où il y a la relation. Est-ce que Cheba, justement, a eu ce genre de travail? Pour, de ma part, je dis oui, mais on attendra le public. فقد المغرب معلمة من معالمه الثقافية وسراجا كان ولا يزال ينير مسار أجيالا من المغاربة من الذين تتلمذوا عليه ونهلوا من فكره المتجدد الخلاق. Aujourd'hui on rend hommage à un des pères de l'art contemporain au Maroc. Je pense que c'est quelque chose qui est très important parce qu'il faut garder la mémoire pour les enfants d'aujourd'hui et pour les enfants de demain, pour que l'œuvre de ce très très grand artiste reste pérenne, pour que ses enseignements continuent et pour les générations futures. Parce que son travail était pédagogique aussi, c'est-à-dire qu'il savait comment faire aimer l'art marocain et comment apprécier justement et faire évoluer notre conscience visuelle.